C'est à cause de la ZZDAC, t'en as marre du montage. Non, 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 non. C'est juste que j'ai beaucoup trop de rush vidéo, beaucoup trop de montage à faire, du coup ça me désespère un peu. C'est quoi ZZDA? C'est une émission qu'on a fait sur... Paladins, où en fait je prenais le premier personnage de l'ordre alphabétique, et Knox prenait le dernier personnage. En fait, on parcourait comme ça les personnages, lui remontait, moi je descendais l'ordre alphabétique. Et on a fait 2 saisons là-dessus. Alors. Non, c'est pas ça. Mince, c'était quoi? C'était quoi les commandes? Fuck. Putain. Dommage. J'avais une commande qui expliquait pourquoi Paladins et Overwatch n'étaient pas des plagiat l'un de l'autre. Bon, du coup, je suis censé faire comment, moi? Avec le sel médicinal, attendez, ça marche comment? Un sel capable de vaincre même le sommeil le plus profond. Ok. Merci la description qui m'explique. En gros, j'étais en développement en même temps. Non, pas toi. Paladine, c'était en développement en même temps. Ou alors Equinox, tu es une Warframe et un jeu en même temps? Tintintin. Tu live longtemps. Je pense que je live encore. Je sais pas, peut-être une petite demi-heure? Je sais pas. JPO de mon téléphone. Trop bien les journées portes ouvertes. Ce sel pourrait bien être le seul remède capable de dissiper le maléfice qui pèse sur le prince. Quoi que je préférais, FF9. Votre Altesse, Votre Altesse. Warframe aussi. J'ai fait un terrible cauchemar, suis-je encore en train de rêver? Vous êtes les guerriers de la légende? Alors tout ceci n'était pas un rêve. Ainsi la prophétie de mes ancêtres va bel et bien s'accomplir. Je vais pouvoir rendre la clé mystique à ses propriétaires légitimes. Oui! La clé mystique! Il est tellement salé. Qui, quoi, quand? Vous m'avez libéré de ce sommeil maléfique. Merci, guerrier de la lumière. Ah mais merci à toi. Merci à toi. Du coup, d'abord on va aller au château avant d'aller dans le souterrain. J'ai une idée. L'autre il a besoin de sel. Ah oui, du sel médicinal. Est-ce que du coup ça veut dire que le médecin c'était Sardoche? Tatatin. FF9, Cash, Birth by Sleep et Dragon Quest. Lequel de Dragon Quest aussi? Il y en a environ 1 million. Vous avez l'avantage. C'est bien. Yes. Le 8, ok. Du coup, ouais, les nains, ils m'avaient dit que dans une salle des coffres, enfin une salle de trésor, il devait y avoir de la dynamite. Et il se trouve que le château en ruine, là, où j'ai été, il y avait une salle fermée avec la clé mystique. Du coup, peut-être que c'est la solution à mes problèmes.
suis où là? Mince, c'est pas ça. La touche, c'est ça. Je suis pas du tout au bon endroit. Yes. Oh non, il y a trop d'ennemis. Hein. Magie brasier plus. Tu joues sur un émulateur? Oui. Et là, je joue à la version Game Boy Advance parce que c'est la plus récente en français. Il y a bien eu une version PSP, mais elle n'était pas en français. Putain, la violence. D'ailleurs, pour tous les gens qui voudraient jouer sur émulateur, je vous conseille ROM Station, qui est un logiciel qui permet de... Enfin, en gros, vous avez déjà plein d'émulateurs. Qui sont embarqués et vous pouvez télécharger des ROM. Le seul truc, c'est que les ROM, enfin, vous êtes bridé en débit du coup soit vous payez soit vous attendez quoi. C'est pas gênant pour les petits jeux genre Mega Drive ou quoi. Les jeux PS1, ça prend un peu plus de temps. Je trouve ce logiciel nul. L'avantage, c'est qu'il a une bonne bibliothèque et il y a tout au même endroit, quoi. Et t'as déjà les émulateurs et tout. T'as pas besoin de t'emmerder avec les histoires de BIOS et tout. Même si t'as des émulateurs de merde, genre au début du stream, j'avais essayé un émulateur. Le premier émulateur qui était proposé pour la GBA, il était affreux. Les couleurs étaient ternes. Le son était dégueulasse et tout. Des spectres. Quand t'es jeune, c'est casse-cou, il faut payer pour télécharger plus vite. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais au pire, tu laisses tourner et puis voilà quoi. Enfin... Une fois que tu règles ton animateur, c'est pas trop chiant. Ah, mais tu vois, par exemple, moi, pour Flashback, j'ai besoin de plein de consoles, tu vois, et c'est pour des jeux où je jouerai une fois. Du coup, Ça me fait chier de setup tout un émulateur juste pour jouer à deux jeux, tu vois. Un glaive. Honte, ça me trigger la musique qu'il y a dans le menu, qui a rien à voir avec l'ambiance générale. Est-ce que lui, il peut mettre le glaive? Ah ben le même stat. Ok, ça c'est mieux. Des momies. Mami. Bah bah bam. Je suis pas sûr que lui. Quoique si, les momies c'était mort vivant. C'est marrant parce que c'est toujours Lund qui se prend les états, enfin les altérations d'état sur les attaques ennemies, mais les autres non. Des fois un petit peu Maurice. Un gourdin. Gant d'acier. Ah! Alors, j'ai un glitch. Ça arrive de temps en temps, voilà. Du coup, j'ai pas eu de dynamite. I am triste. Le gourdin, peut-être que... Ouais. Elle peut le prendre. Lui peut rien prendre. Et j'ai eu quoi d'autre? Les gants d'acier. Peut-être sur Dramo, du coup. Ah, il peut pas. Du coup, Lund, il peut, ouais. Qui tank déjà beaucoup, est-ce que Maurice peut les prendre? Non, il peut pas. Non plus, ok. Petite sauvegarde. Alors,
remonter là, c'est chiant. Parce que le truc des nains, c'est où? Oh ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Hein. Bon, on va aller dans les galeries du marais chercher les trucs bloqués à cause de la clé mystique que j'avais pas. Vraiment un enfant, c'est féroce. Je pense que ouais, on va juste aller chercher les trucs et on s'arrêtera là. Oui, je passe mon brevet. Ah, c'est facile, oui. C'est facile, mais faut le faire. Allez, Samu, bam, coup de gourdin. Yes, on se déplace vite. Voilà. Alors, ici. C'était là. Toujours aussi mal, hein. Mais moi je fais encore plus mal maintenant. Donc, Mais c'est quoi cette haine contre Maurice? Pauvre Maurice. Il y a vraiment une haine contre Maurice, quoi. Soin plus. Ok. C'était tout en bas où il y avait des portes fermées. Hop, hop, l'humaine. Ça fait comme ça. Le plus tank, c'est le guerrier. Le plus puissant, c'est le mage noir. Le plus tank, oui, c'est le guerrier. Le mage noir, c'est le plus puissant en magie. Plus puissant en guerrier. En physique, c'est le guerrier. Du coup, je me dis qu'en fait, le voleur... Je pensais qu'au début, il avait la capacité de voler, comme la plupart des voleurs. Mais non. Pas dans ce FF. Du coup, je vois... pas trop son intérêt. Parce que même là, il est pas plus rapide. Parce que dans FF3, le voleur, il peut donner plus de coups. Ce qui fait que du coup, son DPS est quand même pas mal. Et il a cette rapidité, quoi. Mais là, même pas. Les envoûteurs. Venu d'ailleurs. Putain, mais il est tellement en mousse, il prend 67 quoi. Mettre le moine à la place du voleur. Mais écoute, je ne savais pas. Mais après, il y aura d'autres classes, donc ça ira mieux. Je remplacerai le voleur. Bracelet d'argent.
Encore eux? Et le voleur. Ah non, il avait déjà tapé, ok. My bad. Maurice monte d'un niveau, yes. Samu monte d'un niveau, yes. Dramo monte d'un niveau, yes. Désolé, j'ai pas de soucis, hein, il se fait tard. Tu as le brevet. Du coup, bah bonne soirée, écoute, et à plus. Merci d'être passé, merci du follow. Ah. Et il y a des envoûteurs partout dans ce pays, hein. Bam bam. Bam bam. Mais wow, 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 101. Sérieusement? Mais qui t'a pas 100 hein? Calmez-vous madame. Faut pas qu'il meure, faut pas qu'il meure. Pouf. On est passé à 2 points de vie de la mort. Hein. Antidote, putain, super. Une clé magique pour un antidote. De me faire enfler moi dans cette histoire. Par contre, il tape plus fort en fait le voleur. Voilà, c'est juste la baise en fait si je rentre. Embuscade. Eh non, mais arrêtez de frapper Maurice. JPP. Ce focus. L'enfer quoi. Bon, un peu overkill le brasier plus pour une personne. Vous avez l'avantage. Lumen. Allez Maurice, tape avant s'il te plaît. Yes. Ah bon. On va quand même un peu de magie derrière. Ok. Bah yes. Rip Dramo. Ça, ils ont pas l'impression d'abuser avec les dégâts comme ça d'un coup sur certains ennemis. Je me dis si mon guerrier il prend du 40, c'est qu'il tape sacrément vénère quand même hein, les ennemis. Yeah, l'un monte d'un niveau. 1200 Jill. Ok, bah c'est bon, je crois. Hein.
Pour rien de fameux, mais... Maintenant, faut que je me barre vite, parce qu'en fait, au fur et à mesure, là, je perds beaucoup de vie. Et ma heal, elle a plus de... quasi plus de magie. Juste regarder là. C'est bon. S'enfuit. Vous avez l'avantage. Toujours la même. Hein. C'est bon, je connais la sortie, Equinox. Lol. IQ. En vrai, je... Je crois qu'il y a d'autres endroits où c'était fermé. Ouais, je vais défoncer. Ouais. Ça se passe comment? Tu traînes le cadavre de Dramo tout le temps. Oui. Salut Vespera, enjoy le marathon, merci. Pour l'instant, ça se passe bien. Je pensais que j'aurais plus de mal à adhérer à FF1 et ça passe bien. Donc, je pense qu'une fois que j'aurai fait FF1 et FF2, le plus dur sera passé. Ici. Ça me donne presque envie de commencer le mien en même temps pour qu'on le fasse en même temps. Bah après faut. Enfin c'est. Enfin oui. C'est un peu glauque. Mais rien ne t'empêche de faire le tien et après de comparer nos heures. Bon. Chef Ogre. Pourquoi il y a des monstres plus forts quand j'ai un mec mort? En vrai, je combat. En fait, j'ai peur de si je fuis, ça marche pas, donc du coup, je vais. Je vais combattre. Bon, ça va en fait. La première fois que je vois un chef ogre. La bande son est ouf. Hein. Nobuo, je t'aime. Ok. Bon, on va aller au village des elfes hein, pour se soigner. Et ressusciter le petit Dramo. Parce qu'en attendant, il perd plein d'XP. C'est triste. En même temps, les mages noirs, ils ont tellement pas de vie. Un peu abusé. Il y a deux fois moins que tous les autres. Et dans ce FF-là, il n'y a pas encore le délire de position en mode devant, derrière, pour tanker ou pas. Ouais, là, par contre, allez vous faire enculer. Il n'y a que Dramo qui a une attaque de zone. À part... non, Samu, elle a une attaque de zone, mais contre les morts vivants seulement. Et un loup, c'est vivant. Du moins, tant que je vais pas planter une épée dans le visage. Voulez-vous ressusciter Dramo? Oui. Je trouve que c'est tellement de la merde, cette mécanique. De l'XP que tu gagnes pas quand t'es mort. Paraît logique, non? Enfin, moi ça me paraît évident. Soit c'est pas grave, hein. C'est... Ou alors tu parles de... Ah non! Ah oui, non, oui, oui, tu parles bien de ça. Bah... Ouais, non, ça me paraît logique. Comment tu veux gagner de l'expérience si t'es pas là? Bon par contre, j'ai débloqué les magies niveau 4 et j'ai de l'argent.
Du coup, déjà. Poudre plus, hop. Ça, à la limite. De toute façon, maintenant, j'ai de la thune. Et là, il y a son cadavre. Oui, mais il peut pas gagner de l'expérience. D'ailleurs, regardez. CJ Link. Voilà, si on est dans un village d'elfes, Link est à sa tombe. Hop, tous les morts vivants. Ça, j'ai déjà. Ah non, l'humaine plus. Putain, si j'avais su. Feu. Quelques HP à toute l'équipe. Mais c'est trop bien. Ça fait juste que tes persos sont décalés en niveau, c'est juste nul. Mais non, mais regarde par exemple Dramo. Au tout début du jeu, il était mort une fois. Il a perdu l'XP d'un combat, tu vois. Après là, au niveau du boss, c'était Lund qui était mort. Il a perdu l'XP aussi d'un combat. Un combat de boss, certes, mais quand même l'XP d'un combat. Au final, t'as besoin de plus en plus d'XP au fur et à mesure des niveaux. Donc au final, l'écart s'amenuise quoi. T'as pas un si grand écart que ça. Alors, Glacier Plus. Voilà. Double le nombre d'attaques d'un allié. Pas mal. Ok, on est Yimbe. On est Yimbe, on est Yimbe. Il a vraiment rien à me donner, lui. Non. Il y avait un château avec un truc. C'est ici. Avec un truc à droite. Évidemment, tu as plus de chances de mourir contre un boss qui donne 1 million d'XP. Limite, j'ai envie de recharger la sauvegarde juste avant le boss. Bof. Ouais, mais ça va encore. Masse Mithril. 800 gil. 700 gil. Gants de bronze. Alors, les gants, ça doit être pour le moine. Par contre, la masse, ça c'est pour la claire. Enfin, la mâche blanc. Elle va commencer à boxer. Hein. Alors, ça c'est mieux. Ok. Là j'ai pas mieux. Et là j'ai pas mieux, ok. Bah, ils ok. Ils ok, ils ok. Je pense qu'on va sauvegarder. Non, je vais repartir. Je vais faire un truc et après je pourrais sauvegarder. Et on s'arrêtera là. Putain! Elle devient violente, hein. Petit bateau. Ici. Parce qu'il y a la danseuse dans le village qui donne des infos. Bonjour, je suis dans ce matin. Selon la légende, la clé mystique permet d'ouvrir les portes qui sont verrouillées dans le château. Dans ce château? Qu'est-ce qu'il y a comme porte verrouillée dans le château? Peut-être à l'étage? Bonjour. Dégage! Par contre, les PNJ, ils ont fait de la merde. Parce que des fois, les PNJ, ils se mettent devant les portes ou quoi, et il faut attendre qu'ils bougent.
J'ai pensé de ça. Voilà, il parle d'un, elle parle d'un autre château, mais elle dit du château. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Château Delphia, j'ai fouillé. Château Cornelia, c'est ce que je viens de faire. Le Far West, du coup, je l'ai fait. Temple du Chaos, il fallait, que le truc de la Terre aille mieux. Du coup, ça doit être un autre château. Du coup, on va aller jusque chez les nains et on s'arrêtera là. Mais arrêtez de taper. Arrêtez. Voilà. Ah, Dramo, il pue vraiment la merde en attaque physique, c'est assez impressionnant. Après, c'est un mage noir, c'est normal. Une mine. Mais là. Non. Hop. La mine, il faut aller... Non, faut aller vers le bas, puis aller à gauche. J'aurais dû faire de la magie. Elle a tapé qu'une fois. Elle a nul. Ici. La mine se trouve vers le bas. J'ai cru qu'elle allait one-shot le cobra. C'est une étape dans la vie, hein, one-shot le cobra. Ouais, c'est là. Il n'y avait pas une porte verrouillée. Hein. Bonjour. Seulement j'avais de la damantine. Yes. Si, voilà. Dragocide. Éther. Potion. Cette porte-là a été verrouillée. Home. Tente. Il y a eu un petit glitch en haut. Côte mitril, putain. Des Jill et un pavillon. Non! Voilà. Faut ouvrir une fenêtre pour que ça bug plus. Du coup, j'ai du stuff. J'ai pas eu pour autant un... comment ça s'appelle, la dynamite, mais bon. Dragocide. Tu as fini le Battle Pass Warframe. Je joue peu à Warframe en ce moment, donc non, pas du tout, loin de là. J'ai si peu joué. Seulement j'avais de la dynamite. Ouais, ben je suis bien d'accord. Moi aussi je voudrais bien te donner de la dynamite, mais
Pouce bleu, c'est toi aussi, tu as faim YouTube. Oui, exactement. Moi, je mets un gros pouce bleu. Après ce stream, j'irai très certainement manger un peu de compote. C'est bon, la compote. Il y a une personne qui avait dit... La Lio, oui, non, c'est pas la Lio. Toi, peut-être. Quel vacarme, Neric, non, toi. Dans un fond, on n'a pas besoin d'armure, utiliser les brassards, yes, super. Je suis en recherche de l'aérolite. Il paraît que c'est une pierre qui flotte, yes. Je me demande s'il n'y aurait pas tout bonnement de la dynamite dans la salle des trésors du château. Mais quel château? Quel château? Avec un œil de cristal, même les aveugles retrouvent la vue. Pareil que l'elfe noir, machin. Oui, ça, j'ai déjà fait. Bon, à défaut de savoir, on va s'arrêter là. Je vais juste vous voir la map. J'ai pas fait toute la partie à gauche ici. Je sais même pas si je peux y aller. J'ai pas fait... Après, c'est ici, mais je crois que j'étais bloqué. Faudra que je trouve... Attendez, c'est... Le mont d'Urg machin, ok, galerie... Tombe opulence... C'est quoi le truc au-dessus, là? Ah, c'est le temple du chaos, ok, bon. On va sauvegarder, on va s'arrêter là, on verra ça demain. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas ce jeu est sympathique, hein. Je m'attendais à ce que ça soit plus compliqué de se mettre dedans, et finalement ça a été. Donc je vous souhaite la bonne nuit, la bonne soirée, tout ça, la bonne après-midi si YouTube tu regardes ça à l'après-midi. Et puis voilà, au revoir.